Myriam, combien je sens ta présence. Comme si un voile s'était retiré. Et comme si le passé était le présent de chaque instant. Myriam, comme des parfums et des effluves qui viennent entourer. Comme s'il nous disait « Souviens-toi ». Se déposer. Simplement se déposer. Cela me met en joie, Sarah. Cela me met en joie. Je me sens accueillie, mais non comme une icône à idéaliser. Non comme une sainte ou une prostituée, mais comme une femme qui a le désir sincère par-delà le temps d'être enfin réhabilitée pour être femme tout simplement. Alors, ce tableau où Botticelli montre une Vénus nue sur une coquille Saint-Jacques qui est comme ça représentée, qui a fait le tour du monde, eh bien, c'est dire sortie de l'écume de la mer. Et déjà, ça pose une énergie. Une énergie, le lien à l'eau, qui nous ramène à ce côté archaïque, ce côté féminin, mais aussi de notre inconscient. Donc elle vient vraiment nous chercher dans nos profondeurs, et elle est d'autant importante et impactante qu'elle est la réunification de toutes les autres déesses. C'est-à-dire qu'elle va associer les qualités des déesses dites sensibles, donc elle est aussi dans le lien, la relation, et elle va associer des énergies plus masculines, plus yang, des déesses vierges, où elle tient à son indépendance. Mais en même temps, elle va sublimer tout cela. Donc, j'ai tout de suite envie de faire un corollaire avec Marie-Madeleine, au risque de surprendre, de choquer peut-être certaines personnes ou certains puristes. Depuis des années, je reçois des messages de Marie-Madeleine. Depuis des années, je suis invitée à la rencontre de ces déesses grecques, romaines ou celtes, puisqu'elles sont très très proches. Et comme une évidence, c'est comme si deux tableaux se superposaient au fur et à mesure des années, des rencontres, des messages, des initiations. Et donc on voit une Vénus voluptueuse, sensuelle, séduisante. Eh bien moi tout de suite je me dis, mais on voit une Marie-Madeleine voluptueuse. Lorsqu'elle est représentée sur certains tableaux, eh bien on sent cette volupté. Elle est présente, elle émane, elle irradie. Séduisante, certains la disaient séduisante,